Salut à toutes et à tous, c'est Narpi et on se retrouve pour la suite de Shadow of the Tomb Raider. Et je suis très content de faire cette vidéo parce que les amis, j'ai ma nouvelle carte graphique. Et là, je joue en qualité top top. J'ai mis les paramètres en très haut. Il y a Ultra qui est juste au-dessus, mais j'ai mis en très haut pour l'enregistrement. Et franchement, c'est déjà parfait quoi. C'est tellement beau, tellement bien de jouer à un jeu en qualité élevée. Donc les potes, on est dans un passage du jeu qui est quand même très compliqué. Je vais pas vous mentir. Hein. Il faut réussir à éliminer tous les ennemis dans cette zone. Ce qui est pas du tout évident parce que... En fait, on n'a pas d'arme quoi. On a juste un couteau. Le couteau de survie. Qui va nous servir à zigouiller les mecs. Mais il faut être extrêmement vigilant. Vous voyez, là, j'ai loupé l'occasion de le déglinguer, lui. Donc, on va attendre qu'il repasse parce que, vous voyez, il y a deux soldats qui sont bien dans la lumière. Et le souci, c'est que... ils peuvent voir ce qui se passe, quoi. Ils vont tout cramer si je le poignarde pas correctement. Je pense que là-bas, j'aurais pas pu parce qu'il est dans la zone des deux mecs. Ah, putain, le problème c'est qu'il a pas l'air de vouloir repasser par là. Alors, normalement, on peut éteindre le générateur, mais j'en suis pas sûr. C'est pas dans toutes les zones. Attendez, vous savez quoi? Non, ça n'en sert pas. Je voulais lancer un truc pour enflammer les mecs, mais je le ferai après. J'attends vraiment sur lui là qui se pointe ici parce que je sais pas s'il fout là. J'ai pas l'impression qu'il repasse vers ce buisson. Non. Il s'en bat les couilles. Il s'en bat les... Ok. Bon ben, faut faire autrement. Alors. Je vais aller de l'autre côté. Ok. On va prendre ça. Et hop là, c'est parti. On le poignarde. On poignarde l'autre. Et on poignarde le dernier. Vas-y Lara, trouve le dernier. Non, le dernier. Ok. Allez, vas-y, tue-le. Voilà, vas-y, tue-le. Vas-y, tu peux le faire. Vas-y, vas-y. Oui, c'est ça Lara, voilà. C'était pas hyper propre, mais au moins la mission est accomplie. Bon alors c'est parti, on va continuer. Il faut grimper par ici très certainement. Voilà, vous voyez là il y a un générateur. Mais celui-là on peut pas le désactiver. Première victime. We're spread out way too goddamn thin for that. This was a research operation. Let's just spread out and make it better. I'll cover that area, you stay here. Ah, je ne suis plus camouflé. Je n'ai plus de boue sur moi. La boubou. Allez, viens par là, mec. Viens, j'ai une surprise. J'ai des bonbons, viens. Ah, j'aurais dû grimper dans l'arbre, je crois. Hein. Vas-y, viens. Viens. Je suis pas là. Voilà, t'as vu, je suis pas là. Je ne suis plus là. Lara Croft, you have to admire her persistence. Alors. Petit problème, ils n'ont pas l'air de bouger. Du coup, on va descendre. Pourquoi ils se sont arrêtés de parler? Ah. Il a capté quelque chose visiblement. Monte dans l'arbre. Monte. Dépêche-toi. Merci. Allez, vas-y, viens. Je sais pas comment il a fait pour me voir d'aussi loin, mais bon. Alors, on va dire que c'est ok. Alors est-ce que je peux lui sauter dessus? Attention, je peux pas, elle veut pas, elle tourne la tête, elle s'en fout. Ben voilà, voilà, voilà. Alors. C'est propre tout ça.
Ça marche à merveille. C'est bon, on peut continuer du coup. Ouais, alors là ça va être un peu plus compliqué le prochain passage. Alors attends, elle a son piolet grappin, oui. C'est bon. On y est presque. Vas-y Lara. Oui. Un feu de camp. Wouhou. On y est les amis. Bon, j'ai pas de place comme d'habitude. Oui, oui, on est au courant là, il n'y a pas de place. On va regarder si on peut améliorer une compétence. 3 points, non, il en faut 4. Il y a un point d'exclamation sur l'inventaire, alors qu'en vrai, on n'a rien du tout, on est à poil. I don't have the box. Jonah. God. If anything happens to him. Oui, allez, 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 c'est bon, on a compris. Allez, on y retourne. C'est pas fini. Ah. Who is this? I've suspected you've been monitoring my communications since Mexico. Rourke. Commander Rourke. You've been listening to me. And now, I'm listening to you. Another foreshock. How's it feel, knowing you're responsible for all these cataclysms? All that suffering. I know what I did. The look on your face when Dominguez told you? But you just had to have that dagger, didn't you? Forward outpost. Croft is moving into your area. Find her. Croft slipped right through the guys at the beach. It can't happen again. We'd better do a sweep. Anything interesting in that new shipment? Thermal goggles, gentlemen. I'll take point. Aïe, 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 aïe. Voilà la difficulté de ce passage, c'est que le mec, il a des lunettes thermiques, il peut voir Lara même dans les buissons. Alors, c'est tendu du slip, moi je vous le dis. Shit. False positive. Some animal. Ok, alors, on fonce. Faut tout de suite le buter, lui, parce qu'après, il va se balader, donc on le déglingue direct. Je pense que les deux là, je peux les buter. Mais j'en suis pas sûr. Ah bah non, bah voilà, je pouvais pas. Ok, bon bah on va tâcher de se barrer. Je vais tâcher de survivre. Voilà. Normalement là il nous voit plus. S'il nous voit encore, d'accord. Il me voit, il me voit, il me voit. On va essayer de se barrer. On va prendre ça. On va prendre ça. C'est un peu débile quand même, hein, mais ça marche tellement bien. Bah voilà. Que demander de plus? Mais vous voyez, là, par exemple, je pouvais foutre en l'air le générateur pour qu'il n'y ait plus de lumière. Mais bon, on a fait ça à la moindre gain. Prochaine arène où il faut buter des mecs discretos. Devenir invisible en disant de boule à rap et empêcher la vision. Ah d'accord, bah ça vous voyez je ne le savais point. Je ne le savais point papa. Point papa, voilà. Il est mort. Donc en fait la vision thermique elle ne sert absolument à rien. C'est ça que ça veut dire. Si Lara elle peut continuer d'être camouflée malgré que le mec il a la vision thermique. C'est un peu chelou quand même. Mais bon, soit. Alors, qui est le prochain? Est-ce que c'est toi, mec? Non. Si on allait désactiver le générateur. Voilà. Ah, plus de pile. Thank you.
Alors, problémo, il y a deux mecs là. Je pense qu'il faudrait d'abord s'occuper des mecs dans la cabane. Le mec dans la cabane là-bas. On va redescendre. Ah merde. Merdouille, merdouille. Ah, ils bougent tous en plus. Oh là là. Ok. Ok. Ok, il y a crâne rasé qui est juste à côté de moi. Ok. Ok, cassez-vous les mecs, cassez-vous s'il vous plaît. Cassez-vous. Mais non, plus, plus. Mais non, mais non, mais non. T'as pas pu me voir. Ah, je vais mourir. J'active tout. Cassez-vous. Bam. Cassez-vous. Je me casse. Non, mais sérieux. Sérieusement, sérieusement. Allez, boum. Ah. Ah, je suis perdu, je sais pas où aller. Oh, j'en ai eu qu'un. On peut pas grimper là, si. Voilà. What's up? Venez, 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 un par un s'il vous plaît. Alors est-ce que j'ai encore une herbe? Ouais, voilà, j'ai pas utilisé la vision. On triche à donf les amis, à donf. On s'emballe complet. Viens là, allez dépêche-toi mec. Merci. Ah bah j'ai quand même eu un succès, chaise musicale, bah voilà. Ça c'est fait. Ah bah y'a plus personne, elle vient d'enlever sa boue. C'est à dire que c'est clean. Et ben voilà les amis, on a eu un point, on peut prendre une compétence. Tout s'est passé à merveille. Rien n'était prévu mais tout a fonctionné. Bon, heureusement que Lara elle est hyper résistante, sinon je serais mort. Hein. They're listening. Okay. I'll find you. Aïe, aïe, aïe. Ce passage, j'ai peur les potes, j'ai peur, peur, peur. Vous allez voir, ça va être très, très mouvementé. Ouais, en fait, là, il va y avoir que des trucs mouvementés. J'en dis pas plus, mais ça va beaucoup bouger. Et j'ai un peu peur quand même. A recipe for a hallucinogen, sometimes used in war. This should help. If I use this on my arrows, it could be an advantage against Trinity. Eh ouais les amis, Lara elle est tellement forte qu'elle arrive à déchiffrer une recette magique hallucinogène dont on va se servir contre les ennemis. Eh ouais ouais, on va pas s'en priver hein. Bon en vrai on y a accès depuis le début du jeu, mais on va faire comme si c'était pas le cas, voilà. Vous avez vu maintenant la fresque, elle est très jolie hein, on peut voir les détails, ce qui n'était pas le cas avant. Donc on va basculer déjà dessus, voilà. C'est bon, c'est parti. Vous allez voir l'effet l'effet de cette flèche magique. Allez mec, vas-y, fais le taf. Bute tout le monde. T'as intérêt à buter tout le monde. Hein. Voilà, c'est bien. Encore un petit dernier. Parfait. Ça facilite clairement l'approche. Hein. On va descendre gentiment.
Voilà, merci. Voilà, merci. Alors, on va aller dans l'arbre. Sauf si c'est trop tard. Non, ça a l'air ok. Ok. Peut-être que lui, je peux le tuer comme ça. Vas-y, on va énerver lui. Allez, vas-y, bute tout le monde. Ouais, c'est bien du premier coup. C'est tellement bien visé. Attention, parce qu'il peut quand même nous toucher. Non, ça a l'air ok. C'est Kinder Bueno. Allez, toi aussi, vas-y, c'est parti. On compte sur toi. Ah oui, il est aux pompes en plus. Alors, il dégomme vraiment tout le monde. Une boucherie, quoi. Prenons un peu de boue, on sait jamais. Même si je pense pas en avoir besoin, mais bon. Pas vers moi, pas vers moi, de l'autre côté, mec. Voilà. Non, tu tires dans le mur là. Oh là là. Il tire n'importe comment. On va pas s'en sortir. Ok. Il est en souffrance. Ah, ils sont un peu trop loin. Pas moins de se. Si on passait par là. Je suis en train de me balader avec. Avec mon cocktail Molotov. Ah, il y a un mec là. Normalement, est-ce que je peux me barrer là? Est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Ça serait magique. Ah non, ils m'ont trouvé. Ah, ils m'ont trouvé. Ok. Je suis sûr que j'aurais pu me barrer, mais vu qu'ils m'ont trouvé. Ah merde. Tire. Allez, bute tout le monde, mec. Fais-moi plaisir. Je veux me barrer tranquillement. Ah, j'ai plus de venin. Je peux plus créer de. Merde. Faire attention, il peut me tirer dessus. C'est bon. Voilà. Bon, c'était presque parfait. Hein. J'ai un peu galéré sur la fin, mais on s'en est bien sorti. Jonah, Jonah, come in, please. He's not gonna answer, Lara. What? He's dead. Now you can add your friend Jonah to the list of people you've gotten killed. Fuck you, Rock. If you want to pick up his body, it's at the refinery. I'm coming for you. Attendez, j'oublie un truc. Ah là, les potes, ça va être le bordel. Il va falloir courir. Vous savez à quel point je suis pas du tout fan de ces séquences-là. Il y en a que j'aime bien, mais celle-là... Pouah, c'est tellement dur. Il faut vraiment, vraiment pas s'arrêter. C'est parti, il faut fuir, fuir les amis, fuir, 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 fuir. Il faut fuir. Ah, vas-y, fonce, cours, on n'a pas le temps. N'aie peur, n'aie peur, n'aie peur, go, 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 Lara, vas-y, fonce. Tu peux le faire, tu peux le faire, je crois en toi. Foutez-moi la paix. Allez, vite, on traîne pas, vas-y, fonce. Fonce. Fonce, grimpe. Grimpe. Ah merde, non là tu peux pas, vas-y grimpe. Ça pète de partout, bordel. Aïe aïe aïe. Fonce, fonce, fonce. Vas-y, t'y es presque. Vas-y Lara, go. Lara, go, oui c'est aussi un jeu, Lara, go. Vas-y. Vas-y, fonce, oui. Je sens qu'on y est presque les poteaux. Je sens qu'on y est presque. Le bout du tunnel, tout ça, tralala. Grimpe. Ah ouais.
Ouh. Ah là, c'est plus moi là. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On a réussi, les amis. Lara pas contente. Elle a le démon en elle. Elle est vénère. Mourez tous, bande d'enfoirés. You are fucking dead. This is Rourke. I've been called back to Cannes. Winters, Croft is all yours. Crevez, bande d'enfoirés! Ça va faire boum! Cette mitraillette est tellement précise, les amis! C'est de la folie! Attention à l'hélico, par contre! Je suis pas sûr que. Attends. Comment qu'on fait pour les vipos? Non, on peut pas l'avoir comme ça, on peut pas l'avoir comme ça. C'est bon. Oula. Faut se calmer, wesh. Making everything worse. You're not. Hey, you're not. We can do this. Come on. Where to next? Can't stay here. I don't know, Jonah! What was that clue? The heart of the serpent, something. The heart of the serpent is in the cup near the many stone faces. And what kind of cup are we talking about? Some kind of chalice? A chalice that's not very mine. Wait. It's not mine.
The clue was left by a 17th century missionary, Andrea Lopez, a Jesuit. The serpent in the chalice is a symbol of St. John. We're looking for a Christian holy site. Like a Church of San Juan? That's a pretty common name. Could be dozens. Not within trekking distance from Paititi. Come on, the road is this way. We'll get out of here, talk to some people. Okay. What would I do without you? This is it, Church of San Juan. Let's split up. I'll look for signs of Lopez. We'll ask around, see what we can find out. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, les amis, on est à San Juan. Et on va s'arrêter là, les amis. Eh oui. Mais sachez que la suite, l'église de San Juan, c'est vraiment mon passage préféré dans le jeu. On verra ça ensemble. J'ai vraiment hâte. Donc, ça sera dans le prochain épisode. On retrouvera Abby et Jonah. Voilà. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cet épisode. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Et n'oubliez pas, bientôt, nouveau DLC sur Shadow of the Tomb Raider. Ça va être le kiff total. Allez, des bisous, les amis. À plus.